En Allemagne, les salariés de la compagnie allemande Lufthansa se sont mis en grève ce dimanche. Une action forte pour ceux qui réclament une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. L'appel à la grève lancé par le syndicat du personnel de cabine UFO ne devait durer initialement que quelques heures dans la matinée de ce dimanche. Mais la direction n'étant pas réceptive aux demandes des syndicats, le mouvement s'est prolongé, perturbant ainsi plusieurs aéroports et entraînant l'annulation de dizaines de vols. Quatre filiales de la compagnie allemande ont suivi le mouvement, dont Eurowings, Germanwings, SunExpress et Cityline. Ce n'est pas drôle du tout, ce n'est pas amusant de ne pas pouvoir voyager. Vous voulez partir en vacances, vous attendez ça avec impatience, vous réservez à l'avance pour avoir le temps de prendre un petit verre avant de partir, et voilà ce qui se passe. Je pense que c'est impossible. Vendredi dernier déjà, le syndicat avait annulé une grève après que la direction de la compagnie aérienne ait annoncé une revalorisation des salaires de 2%. Mais pour les syndicalistes, toutes les demandes n'ont pas été entendues, c'est pourquoi la grève a été rétablie ce dimanche. UFO a perdu de nombreux adhérents ces derniers temps suite à plusieurs conflits au sein même du syndicat. Des membres du personnel de cabine se sont ainsi tournés vers d'autres organisations.